Je souhaite que vous mesuriez à sa haute valeur historique la visite du président Martinelli. C'est en effet la première visite d'État effectuée par un président panaméen en notre pays. Espero que ustedes podrían medir el alto valor histórico de la visita del presidente Martinelli. De hecho, la primera visita de Estado realizada por un presidente panameño en nuestro país. Cette visite est un signe non équivoque du renforcement des relations entre Haïti et le Panama et s'inscrit dans le cadre d'une plus grande affirmation régionale et dans le monde de notre pays. Esta visita es un signo probante del fortalecimiento de las relaciones entre Haití y Panamá y se inscribe en el marco de una mayor afirmación regional y en el mundo de nuestro país. La visite va durer 2 jours et la première journée a déjà donné des fruits. La visita durará 2 días y la primera jornada ya ha aportado sus frutos. 2 accords vont être signés. L'un portant sur des questions de migration et l'autre ayant défini les domaines de coopération bilatérale sur lesquels les deux pays vont collaborer dans l'avenir immédiat. Acabamos de firmar 2 acuerdos. Uno que tiene que ver con los temas de migración y el otro que define las áreas de cooperación bilateral sobre los cuales los dos países van a colaborar en el futuro inmediato. Grâce au premier accord, le processus d'obtention de visa panaméen pour les marchandes et marchands haïtiens sera amélioré et les échanges commerciaux entre Haïti et Panama seront facilités. Gracias al primer acuerdo, el proceso de obtención de visas panameños para los comerciantes haitianos y haitianas será mejorado y los intercambios comerciales entre Haití y Panamá se verán facilitados. Aujourd'hui, le visa panaméen coûtera $50. Hoy, en la actualidad, la visa panameña costará $50 americanos. Et désormais, il sera délivré ce visa en Haïti et ceci dans un délai très court. Y a partir de ahora, esta visa será otorgado aquí en Haití y en un plazo muy corto. Nous étudions aussi comment dynamiser les liaisons aériennes entre Haïti et le Panama. Estamos estudiando también la manera de dinamizar los enlaces aéreos entre Haïti y Panamá. Et nous pouvons déjà dire que à partir du 1er juin, le nombre de vols de la Copa passera de 4 vols par semaine à 6 vols par semaine. Y ya podemos decirles como anticipación que a partir del mes de junio la cantidad de vuelos de la línea aérea Copa pasará de 4 a 6 vuelos por semana. Ensuite, nous analysons comment profiter de l'expertise du Panama en matière du développement des zones franches. Luego, analizaremos cómo aprovechar del peritaje de Panamá en materia de desarrollo de las zonas francas. Finalement, nous remercions le Panama pour l'assistance technique fournie à quelques institutions haïtiennes, que ce soit la PNH ou la Banque de la République d'Haïti. Y finalmente, agradecemos a Panamá por la asistencia técnica que nos ha brindado a algunas instituciones haitianas, que sea de la Policía Nacional de Haití o el Banco de la República de Haití. Pour que les échanges entre Haïti et le Panama augmentent, le président Martinelli s'est fait accompagner d'une importante délégation d'entrepreneurs panaméens désireux de s'informer des opportunités d'affaires qu'Haïti offre. Cette délégation est actuellement en séance de travail avec des membres du secteur privé haïtien et nos institutions en charge des investissements. Con el fin de que los intercambios entre Haití y Panamá aumenten, el presidente Martinelli se hizo acompañar de una importante delegación de empresarios panameños que tienen el deseo de informarse de las oportunidades de negocio que ofrece Haití. Esta delegación actualmente tiene una sesión de trabajo con los miembros, ciertos miembros del sector privado haitiano y nuestras instituciones que están a cargo de las inversiones. Un acuerdo comercial interviendra bientôt entre nos dos países. Un acuerdo comercial será firmado muy pronto entre nuestros dos países.
Cet accord permettra à certains produits haïtiens d'être exportés au Panama sans avoir à payer de taxes. Este acuerdo permitirá a ciertos productos haitianos ser exportados hacia Panamá sin pagar impuestos. Nous allons continuer à travailler au long de la visite sur les sujets retenus, toujours dans l'ambition de dégager des voies encore plus larges de coopération. Y vamos a seguir trabajando durante esta visita sobre los temas que fueron seleccionados y siempre con el afán de tratar y ver las vías aún más amplias de cooperación. Monsieur le Président, merci d'être venu à Haïti et merci pour cet amour que vous, que votre peuple, vous avez pour Haïti. Señor Presidente, gracias por su visita a Haití y gracias por este amor que usted y su pueblo tienen para el pueblo haitiano. Et maintenant, Président Martinelli, je vous prie d'avoir l'amabilité d'offrir quelques mots à la presse haïtienne. En nombre del pueblo panameño y en el mío propio, quiero expresar el más sincero agradecimiento por la bienvenida y las atenciones que nos han dispensado desde nuestra llegada a este hermoso país. Au nom du peuple panaméen et en mon nom personnel, je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements pour la bienvenue et les attentions que vous nous avez prodiguées depuis notre arrivée ici, dans ce pays frère. Para mí constituye una distinción ser el primer presidente de Panamá en formalizar una visita oficial a su país como muestra fehaciente de la fraternidad que nos une. Pour moi, c'est un honneur et un privilège d'être le premier président du Panama à faire une visite officielle ici, dans ce pays. Et ceci est une preuve de la fraternité qui nous unit. La estrecha amistad cultivada a lo largo de 69 años de relaciones, las afinidades culturales caribeñas de nuestros países y el continuo contacto diplomático en sus múltiples facetas han permitido alcanzar las excelentes relaciones que mantenemos. La profonda amitié qui s'est cultivée tout au long des 69 années de relations, les affinités culturelles caribéennes de nos pays et le contact diplomatique continu dans ses multiples facettes nous ont permis d'arriver à ces excellentes relations que nous avons. Poniendo en perspectiva la confianza y el nivel de compromiso político que hemos venido forjando gradualmente desde 1945. Et tout ceci en tenant compte de la confiance et du niveau d'engagement politique que nous avons forgé graduellement depuis l'année 1945. Y a esto debo añadir lo dicho por el presidente Martelly de las excelentes relaciones entre ambos países y en el día de hoy hemos hablado y concluido importantes acuerdos de beneficio mutuo para ambas naciones. Je voudrais ajouter aussi à son excellence le président Martelly que la relation que nous sommes en train de faire et d'avoir en ce moment nous ont permis d'arriver et de conclure des domaines et des points très intéressants et très importants pour nos deux pays. La facilitation de las visas emitidas ahora en la embajada en Puerto Príncipe incrementarán el comercio entre Haití y Panamá. La facilitation de l'octroi des visas aux Haïtiens ici pour se rendre au Panama agilisera beaucoup les relations commerciales entre les deux pays. El incremento de los vuelos comerciales de la empresa Copa de 4 a 6 vuelos, estoy seguro que va a aumentar también el intercambio turístico y también el intercambio comercial. Je suis convaincu que l'augmentation du nombre de vols de la ligne aérienne Copa de 4 à 6 vols par semaine permettra également d'augmenter non seulement le nombre de touristes, mais également les échanges commerciaux entre les deux pays. Igualmente, la firma de un tratado parcial de libre comercio con Haití facilitará la entrada de productos haïtianos a Panamá libre de impuestos. De la même manière, la signature d'un accord de libre-échange entre Haïti et Panama facilitera également l'entrée de produits haïtiens sur le territoire panaméen libre d'impôts. Igualmente y viceversa, los productos panameños exportados a Haití, junto con un tratado de
facilitation d'inversions et protection d'inversions entre ambos países. De la même manière, les produits panaméens pourront être exportés en Haïti à travers des accords de libre-échange en matière commerciale. Panama dijo presente cuando Haití tuvo un problema hace algunos años y por eso de forma solidaria el gobierno panameño donó $1 million. Et Panama, le Panama a répondu présent lorsqu'Haïti a eu ce problème il y a quelques années de cela. Et nous avons, le gouvernement panaméen a coopéré avec l'apport de $1 million. Hay un refrán en español que dice: El amigo verdadero ha de ser como la sangre, que siempre acude a la herida sin esperar que lo llamen. Il y a un dicton en espagnol qui dit: Le vrai ami, il est comme le sang. Il arrive toujours à la rescousse sans avoir besoin de faire appel à lui. La première visite d'un chef d'État panaméen en Haïti, une visite historique. À présent, le président de la République, Michel Joseph Martelly, qui est en train de décorer son homologue de l'Ordre national, honneur et mérite, grade Grand Croix, à son Excellence, le Président de la République du Panama, Ricardo Martinelli Berrocar. Le Président Martelly, qui est assisté de son ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casini. Et à présent, c'est au tour du Président panaméen. Et ahora el Presidente de Panama. De décorer le président de la République. Está decorando al presidente de la República del orden de Manuel Amador Guerrero. L'amitié haïtiano-panaméenne scellée un peu plus dans la fraternité.